putaclic vient même dans la vraie vie. Bienvenue en 2017. Enfin, plus sérieusement, c'est ma tête plutôt fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo, ce quatrième épisode de notre Let's Play d'Outlast 2. Vous avez envie de souffrir. Bienvenue dans le meilleur Let's Play sur YouTube. Oui, je l'ai décrété. Même si vous suivez pas le Let's Play, on s'en fout. Vous pouvez quand même regarder la vidéo. Il y a pas besoin de suivre l'histoire depuis le début. Il y a suffisamment de trucs drôles et qui font peur pour que vous soyez divertis grâce à cette vidéo. Pablo et moi, on est prêts pour se prendre des screamers dans la gueule. C'est parti, générique. Ok, donc on s'était retrouvé dans cette sorte de conduit qui nous mène simplement à une forêt une fois de plus. Non, je vais pas mettre un putain. Je rêve où il y a un mec qui est rentré dans le lac comme s'il descendait des escaliers. Enfin, c'est quoi ça? Mais ils ont planté des têtes dans le sol. Wow, j'entends des voix là, une sorte de monstre. Évidemment, le tonnerre. Évidemment qu'il allait pas faire beau. Pourquoi il y a des gens qui. Bonjour. Oh putain, mon ombre m'a fait flipper. Pour vous dire que moi, j'ai peur. Oh, il y a une sorte de bateau là. Un radeau, tu peux le traverser avec ça. Traverser le fucking lac. Il va se passer une merde. N'importe quelle merde peut venir me sauter sur la gueule. Oh, fantastique. Putain, mon cœur. Eh, hey, oh. Des poissons morts. Putain, bah, si vous avez envie de faire de la pêche. What? On va rencontrer une sirène, c'est ça? Faut qu'on retrouve le radeau, dépêche-toi, go, dépêche-toi. Non, on ne veut pas qu'on aide. Oh, enculé, dégage. Ah, y'a un gars, il essaie de m'attraper les jambes, la pire sensation. Allez, on remonte sur notre fucking bateau. Allez. Voilà, on est remonté. Là, vous ne pouvez plus me toucher. Ok, on arrive enfin sur le ferme. Wow. Ah, putain, on est coincé dans une pierre, là. Fais chier. Eh hey, mais ne rage pas. Oh, ne rage pas, Blake. Garde ton sang-froid. Pas le moment de rager, là. Oh, putain. Il y a des humains partout, putain. Ça rend la navigation difficile. Donc, s'il vous plaît. Oula, merde. Ah, oh, si on perd le bateau, c'est la merde. Merde, le radeau. Putain, on a perdu le bateau. On a la caméra. Ok, elle est waterproof, elle fonctionne. Let's go. Là-bas. Putain, il est en train de checker mon radeau. Ne touche pas à mon radeau. Allez, là, faut qu'on passe. Ok, donc en gros, là, on va niquer un arbre. Ah, mais t'as tout cassé à la salle, mec. C'est dingue. Le mec, il a besoin d'un pont. Il crée le pont en poussant un arbre. Oh non, ils nous suivent, putain, mais on dirait des indigènes. On se barre. Il ne faut pas qu'ils nous atteignent. Oh là. Non, des cailloux qui nous tombent dessus. Putain. Oh non, Blake. Oh, faut pas qu'on se fasse repêcher. Mais t'es vraiment épique, Blake. C'est le genre de mec qui a eu la barbe à 10 ans. Ok, on s'approche d'un village là, c'est cool. What? Non, casse-toi, dégage. Oh là, il me suit. Oh, les stalkers, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Oh, il y a une échelle. Allez, go, échelle. Oh, putain, non, la route de la tentacule. Où est-ce qu'elle va nous téléporter cette fois-ci encore? What the fuck? The fuck, on avance. Allez, go. Yes, le bout de la piscine. Allez, on le monte. Boy, yes. Et il y a évidemment plus personne dans l'eau. Ok, donc on a été téléporté dans l'école de Blake. On va dans les toilettes des garçons ou des filles? Ça a l'air d'être allumé dans les filles et... Il y a le bruit d'une douche. Quelqu'un prend sa douche? Quelqu'un prend sa... Mec! Ok, tu veux que j'ouvre? Qu'est-ce qu'il y a? T'es enfermé? Mais... Il y a du sang qui sort des toilettes et de la douche? Putain, Jessica! Qui arrive, Jessica? D'accord, donc vous ouvrez les portes pour moi. Merci, j'accepte la politesse. Et on se retrouve dans une classe d'ordi, ok. Une fois de plus, on a un jeu d'une image d'un pendu et notre image, ok, l'image bug de ma caméra, j'arrête de regarder, tranquille. Bon, là, faut sortir de cette salle, là, dardard. Franchement, les petites douches, la petite piscine et tout, c'était vraiment posé. What? Merde! Une douche de sang, une fois... Ok, on va suivre les douches de sang, putain. Je serais déjà en train de vomir. Ok, il y a une échelle ici. Oh, franchement, les douches de sang, mec. Oh, il a les mains... Enfumé de sang, c'est horrible. Qui est en train de lui faire du mal? On va être téléporté où cette fois-ci? On a été retéléporté dans la fucking forêt. Et il pleut du sang. Il y a un brouillard de sang. Wow, et là c'est un délire. Même la lune est devenue rouge. What the fuck? Ok, on est en train de s'enfoncer dans une sorte d'usine là. Allez Hugo, n'aie pas peur Hugo. Hugo, faut pas avoir peur. Y'a personne Hugo. Allez, on avance. Je suis en train de transpirer. Putain! Nous devons partir. Il faut y aller. Vas-y, barre-toi, gros. Ah, putain, il était méchant, celui-ci. Arrête de déconner, là. Alors, apparemment, ils ont essayé de tuer Lynn. Wow. Alors, attends, où est-ce qu'il faut aller, là? Et on se retrouve une fois de plus dans l'école. On a été re-téléporté. Mais what? Ok, bon, bah, écoutez, on va suivre les lumières, hein. Et la porte vient de se fermer derrière nous. Putain, ici, ils sont trop polis, franchement. Non, ça...
Hé, hey, n'ouvre pas les portes comme ça, Blake, calme-toi. Oh, il y a un ordinateur allumé là. Oh, ils sont sur MSN. Jessica, t'es là? Jessica, une réponse, ça marche. Je te vois écrire sur l'ordinateur, tourne-toi. Ah non, allô, tourne-toi. On appuie sur X. Et il y a un nouvel ordinateur qui est allumé, génial. Wow, 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 wow. Wow. Ah ouais, c'est la foire là. Bon bah on va se barrer hein. Oh Jessica. Bah j'ai remarqué qu'on n'était pas tous seuls et évidemment tu ne m'attends pas. Bon, t'as intérêt à m'attendre là Jessica parce que ça commence à devenir... What? C'est qui ça? Ok, je me barre, je veux pas savoir qui c'est, je veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas savoir qui c'est. Je me taille, tu fais tes bails, je fais mes bails. Wow, ok, il va nous téléporter, allez vas-y téléporte-nous, voilà, tu nous amènes dans l'eau, tu fais ce que tu veux de nous. Putain, on a été re-téléporté dans la forêt où il pleut du sang. Franchement, ce jeu commence à m'impressionner de plus en plus. Et en même temps, je me suis jamais autant chié dessus sur un jeu. Oh putain, on va devoir s'avancer. Ok, j'ai pas l'air d'être le bienvenu là. C'est qui vient de passer? Oh, il se trame des trucs là. Oh, ça fait tellement flipper. On ouvre? Fuck, c'est fermé. Oh putain, il y a ce fucking passage une fois de plus qui fait flipper. Wow! Je retourne, je me recule, je recule. Oh putain, me dis pas qu'ils viennent. Oh les enculés. Oh les enculés, ok je me cache. On va utiliser une fois de plus ces barils. Oh le stress. Wow, ok. Je reviens dans le jeu, j'ai fait une petite pause parce que j'ai dû aller chez le coiffeur. On peut voir à la coupe. Je vous dis, hashtag le meilleur let's play sur YouTube. Le gars change de coupe en pleine partie. Magnifique. Me dis pas qu'ils vont venir me chercher. Wow, ils essaient d'ouvrir une porte là. Ok, il est rentré, on y go. On sort, on court, on rush. Oh putain, les enculés sont derrière moi là. Oh putain, il est derrière moi. Ouais, j'ai jamais vu un truc aussi stressant. What the fuck. Wow, y'en a partout. Allez, avance, avance. Allez, go, barre-toi. Yes. Ok, on a équipé à une des fenêtres de l'école. Une fois de plus, une téléportation. Oh non. Oh, c'est horrible. La cour de récréation s'est transformée en lieu où les gens se pendent. Y'a une ombre derrière moi. Y'a une ombre derrière moi, est-ce que je me retourne? Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3, on se retourne. Y'a personne. Ok, l'ombre a ouvert la porte pour moi. Bah écoutez, je prends, hein, c'est très aimable de ta part. Franchement, les effets d'horreur sont de plus en plus originaux plus on avance dans le jeu, je trouve ça génial. Mais en même temps, je me chie dessus, de plus en plus. Oh, la porte, comme ça, il va se passer une merde. Ok, on entre dans la bibliothèque. Alors, vous savez quoi? On va la faire, on rush, hein. Il y aura... Personne ne peut marrer. What the fuck? Vous avez vu la même chose que moi? Oh! Putain, c'est un fucking labyrinthe de livres. Oh mec, on est bloqué dans la bibliothèque. Oh, le fils de pute! Ok, viens. Voilà. Allez, dégage. Ok, on se barre. Oh yes, on est chaud. Oula, pourquoi tout est de côté? What the fuck? Ok, ok, je me barre. C'est ce qu'on a fait. Oh Jessica, dis-moi où il faut aller. Jessica, s'il te plaît, Blake. Ok, on se déplace de droite à gauche. Allez, tranquillement, il ne va pas nous trouver. Il ne va pas nous... Wow, dégage. Mets-lui un high kick, Blake. Voilà, dégage. On a été re-téléporté. Je ne comprends plus rien à ce monde. On passe de l'école jusqu'à l'endroit où il pleut du sang. D'accord. Ok, cette porte. Oh putain, elle est fermée. Ah, il faut déplacer ce truc. Wow. Ok. Oh, fuck that shit, ok. On passe en dessous, ils sont pas derrière toi. Il faut les oublier. On les oublie, ils n'existent pas. Allez, bon, on se taille. Wow. Wow. On est tombé là. Hein? Jessica! Merde! Merde! Wow, trop de choses à l'écran là! On se taille. Les toilettes? Il faut qu'on se cache dans les toilettes? Ok, je me cache dans les toilettes. Oh non, me dis pas! Ce que vous voyez, petits yeux, oh non! Petits yeux, oh, je vais me chier dessus! Oh non, on va de. On se poursuit dans les toilettes? Oh non, il va checker chacune des toilettes. Oh, le pire truc qui peut arriver dans un jeu d'horreur. Wow, on se barre, Hugo! Oh non putain, mais pourquoi elle était morte? Pourquoi tout d'un coup elle est pendue? Il y a cette fenêtre qui va nous... On paraît combien, c'est une téléportation? Voilà. Et là on se retrouve encore dans la vie où il pleut du sang. What the fuck? Ok, on se re-retrouve dans cette sorte de bâtiment où il y a des goulooms du Leader Price qui me poursuivent. Et franchement j'espère qu'ils ont fini avec moi. Bah hein. Là faut arrêter là. Il faut que je descende là. Oh ça pue la merde. Oh ça pue la merde. What the fuck? Non mais putain, mais les goulons du Leader Price, franchement, barré. Ils sont partis, ils ont tué. Allez, go. Oh, ça continue la course poursuite. Putain, mais plus stressant, franchement, mec, tu meurs. Ils peuvent t'attraper les pieds sans que tu y attendes, mec. Voilà, on monte. Et on ferme la trappe, voilà. Plus de goulons du Leader Price, franchement, là, j'en avais marre. Oh, les enculés, ils tapent sur la porte. Ils vont réussir à l'ouvrir. Il arrive. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais qu'est-ce qui... Mais...
Qu'est-ce qu'ils font là, putain, mais arrêtez de me poursuivre. Mais c'est quoi ces malades? Mais c'est quoi? Mais il commence à me faire... Je commence à en rire tellement ça devient drôle là. Arrêtez de me poursuivre. Oh, hell no, putain, bon, ils sont plusieurs là. Mais putain, mais ils vont jamais... Oh, oh. Ok, on avance. Ciao, bye, Cimer. Vous ne venez pas avec moi dans l'ascenseur. Alors là, c'est mort. Salut les rageux. Kiss kiss. Ok, Blake est en train de descendre. Serre. Jess, j'ai juste un... Lynn, elle s'appelle Lynn. Quoi? Oula, il est en train de perdre la tête là. Il confond Jessica, notre pote, et Lynn, notre femme. Ah non, Blake, pas toi. Attends, si le frérot Blake commence à nous lâcher, moi je sais pas qui. Me dis pas que l'ascenseur a craché. What the... Oh non, le pire cauchemar. Le... L'ascenseur... Mec, l'ascenseur a lâché. Oh non, la pire des choses. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. Oh, c'est mieux qu'à Disneyland. Wow. Allez, Blake, tiens le coup, putain. 800 feet. Attends, il est à 250 mètres sous terre. Ok, on descend. Oh, ça pue la merde. Mec, 250 mètres sous la terre, c'est énorme. Faut pas que l'ascenseur se casse la gueule. Et on saute là. On saute là. Oh putain, l'ascenseur est tombé derrière nous, juste au bon moment. Ok, alors on se retrouve dans une sorte de mine. Ah, donc c'est ici l'endroit où notre femme se trouverait. Les mines. Ok, on se rapproche de Lynn, on se rapproche de notre femme. Putain, on entend une femme qui... Ah, il y a une... Ok, on entend Lynn. Allez, viens, viens, viens. Eh, franchement, je me prends tout pour un warrior. Ok, je fais quoi là? Oh non, on doit passer sous terre ici. Ok, pff, allez, on continue. Oh, on n'est pas tout seul, vous avez vu comme moi. Oh fuck! Non, c'est fermé! Mais il est parti! Les gouloums du leader press deviennent gentils. Ah! Ils se putent, putain! Mec, oh là là, c'est trop stressant. Plus on avance dans le jeu, je vous dis, plus ça devient de plus en plus flippant et pervers en même temps. Ça tend vraiment pas au screamer. Ok, ce sort de wagon avec un bébé qu'il faut qu'on déplace. Ah, j'ai compris. Faut qu'on déplace là. Et voilà, comme ça on peut aller là-bas. En fait, on est en train de s'enfoncer dans la mine. Oula. Ça va finir comme dans le film 127 heures. Oh, et la pierre à la panthère a tombé par contre. Hein. C'était drôle à dire, mais. Oh putain, il y a un gars qui chante cette musique en même temps et quelqu'un qui crie de douleur. Oh. Ah, c'est glauque. C'est glauque. Non, mais c'est moi qui ai l'esprit tordu. Ou ceci est un squelette de deux personnes pratiquant le coït. Oui, ce n'est pas moi qui ai l'esprit tordu. Wow. Oh non, casse-toi, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous avez fait, Aline? Où est-elle? Oh mais attends, mais lui on l'a vu au tout début du jeu, c'est le gars qui a enlevé notre femme. Ta semence va brûler ce monde. Putain mec, c'est glauque. Où est Lynn? Je montre. Où est-elle? Mon vrai visage. Oula, alors c'est quoi ton vrai visage? What? C'est ça ton vrai visage? Ok Blake, il faut qu'on se barre là. Oh non, elle va nous poursuivre. Oh putain, par contre, elle fait vraiment flipper. On se taille. Ok, alors là le but c'est d'aller désactiver le courant pour pas que la fille puisse nous retrouver. Ok, premier courant, désactivé. Deuxième courant, désactivé. Là, on échappe à la fille. Ok, on a échappé ces mines bizarres où on se faisait poursuivre par la fille au faux maquillage. Ouais, il faut qu'on pousse un wagon. Ah, ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. En fait, il faut attendre que le wagon parte. Vas-y, va en arrière. On bouge le mécanisme pour changer la trajectoire des rails. Et en fait, on va péter la porte. Malin, Hugo. Malin. Allez, Snoopy! Allez, mon putain, Snoopy! Petit wagon deviendra fort. Alors là... Allez, Snoopy! Oui! Bravo! Snoopy? Ok, Snoopy, par contre, t'as fait apparaître un truc qui était totalement terrifiant. Ah, il faut qu'on descende à cette échelle. Putain, mais le jeu veut qu'on s'enfonce de plus en plus. C'est vraiment pas une bonne idée de s'enfoncer de plus en plus sous terre, là. On va croiser des trucs chelous. Danger, ne passez surtout pas ce point. Eh bah, si. Dieu ne t'aime pas. Mais c'est qui cette femme bizarre qui... Oh, fuck that shit. Oh non, elle nous poursuit pas. Ah, mec, c'est trop stressant, mon cœur. Oh putain, yes, les pierres sur le temps, ils lui ont tombé sur la gueule. Décidément, nos amis les pierres me surprendront toujours autant. On est tombé dans l'eau là, mais où est-ce qu'on se retrouve? Il y a de la lumière là. Ah, putain, fuck that shit. Oh, elle est désolée pour les cris, mais franchement, ça devient tellement stressant. Oh non, il y a les boulons du leader price. Oh. On continue à s'enfoncer dans les mines. Et avançons sur cette échelle. Faut qu'on gagne en altitude là, c'est pas possible de rester aussi bas sous la terre. Parce que Lynn au bout d'un moment nique sa mère hein, de la retrouver là, l'abuse. Ok, faut qu'on avance sur ce truc en mode une fois de plus cinématique. Allez go, ne pas tomber. Sinon on va retrouver les gouloums du leader price. Je ne me lasserai jamais de cette appellation. Ok, on commence à se sortir de la mine là, c'est bien ça. Oh, de la lumière, normalement ça présage que du bon. Oula oula. Elle vient de nous vomir dessus là. Ah, on voit rien, oh non. Elle me pète à la caméra. Non.
Eh bien, c'est ici que nous allons arrêter cet épisode, ce quatrième et avant-dernier épisode, au moment où cette folle nous a arraché, nous a péta, nous a volé tous les mots que vous voulez utiliser. Notre caméra, ne partez pas maintenant, c'est très simple. Tout d'abord, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je compte sur vous, je compte sur toi qui regarde la vidéo pour laisser un gros pouce bleu. On a besoin de renfort parce que le prochain épisode, ça sera même pas une vidéo, ça sera un live où on sera tous ensemble. Alors ramenez tous vos potes, ramenez-vous surtout. Ça se passera vendredi 5 mai à 20h et on fera la fin de Outlast 2 ensemble en direct. Si vous voyez cette vidéo après le live, et bah cliquez juste ici pour voir le dernier épisode de notre Let's Play sur Outlast 2 ou cliquez juste là pour voir l'épisode de juste avant, c'était l'épisode 3. Voilà, Pablo et moi on vous dit au revoir, merci d'avoir suivi cette aventure.